Aujourd'hui, ChatGPT va contrôler mon compte Fortnite pendant 24 heures. ChatGPT, pour vous faire simple, c'est une intelligence artificielle qui peut répondre à n'importe quelle question. Par exemple, vous pouvez lui demander qui est Wisite sur YouTube et vous êtes sûr qu'il vous répondra que c'est la pépite de Fortnite. Bon, pour ça, je suis pas sûr. Mais bref, cette intelligence artificielle va contrôler mon compte. Je pourrais lui poser n'importe quelle question, que ce soit sur le stuff que je dois prendre, le skin que je vais choisir, et je lui demanderai de me donner un défi à réaliser durant ma partie. Et si j'arrive pas à faire top 1 sur ma première game, j'aurai une roulette qui me donnera un défi en plus. Donc dans les défis, on a se renommer Wisite le bot, faire un don de 20€ à un streamer, supprimer mon compte Fortnite, jouer le plus gros skin de mon casier dans ma prochaine vidéo, jouer avec 60 FPS et acheter 20€ de V-Bucks. Et comment vous dire que j'ai pas trop envie de dépenser de l'argent sur cette vidéo. Donc est-ce que je vais réussir ou pas? Vous allez tout voir maintenant, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si la chaîne vous plaît. Et surtout, un grand merci à ceux qui mettent mon code créateur Wisite avec 2E dans la boutique. Ça soutient de fou, donc merci à vous. Et sur ce, on se retrouve en game. Ça y est les amis, on se retrouve dans le lobby. Et directement, ce que je vais demander à ChatGPT, c'est de choisir mon skin Fortnite. Parce qu'il faut bien bon petit skin pour essayer de faire top 1, tu vois. Donc j'ai été sur ChatGPT et je lui ai dit donne-moi un skin Fortnite à mettre pour ma première partie. Et il m'a répondu pourquoi ne pas opter pour quelque chose de classique mais toujours cool. Essaye peut-être le skin Ravage avec son look sombre et mystérieux. Donc on va voir si j'ai le skin Ravage. Donc je suis dans mon casier là et dans recherche on va taper Ravage. Ah mais c'est ce skin. Bon bah c'est parfait, on a déjà notre skin. De retour sur ChatGPT et je lui ai demandé maintenant dis-moi avec quelle rareté d'armes je dois jouer, c'est pour un défi. Et il m'a répondu pour un défi. Pourquoi ne pas pimenter un peu les choses en utilisant une rareté d'armes moins courante? Essaye de jouer avec des armes de rareté épique, entre parenthèses violette, pour ajouter un peu de défi et d'excitation à ta partie. Donc pour l'instant, je dois jouer le skin Ravage et utiliser que des armes de rareté épique. Maintenant qu'on a toutes ces infos, je lui demandais où est-ce que je vais spawn. Parce que ouais, je vais pas spawn random dans la nature comme ça. Donc écoutez, on va lui poser la question. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me donner un spawn Fortnite et il m'a répondu dans les bois entre Pleasant Piazza et Green Gate. Et ensuite il m'a dit près d'une petite clairière à mi-chemin entre les deux lieux dits. Et dans la description, il y est marqué « Tu apparais au cœur d'une forêt dense, entourée de grands arbres et de végétation. » Et il me dit aussi qu'il y a quelques coffres cachés parmi les arbres et des ressources à collecter. Donc je pense qu'il me demande de spawn vers ici, les gars. Donc c'est là où on ira pendant la vidéo. Donc avec tout ce qu'on a, je vais poser une dernière question à ChatGPT. Je vais lui demander de me donner un défi à faire pendant la game. Et il m'a donné un défi, le défi du 100 boucliers. Donc c'est-à-dire que pendant toute la game, j'aurai pas le droit de me shield. J'aurai que 100 HP max. Maximum. Je crois qu'il veut vraiment me tuer là, ChatGPT, j'en ai marre. Bref, les gars, bah écoutez, on est parti. Ah, mais attendez, je joue en classé ou en MM? Vous savez quoi, je vais lui demander du coup. Bon, du coup, les gars, je lui ai demandé si je devais jouer une partie en classé ou non. Et je sais pas, il voulait pas me répondre au début. Regardez, je lui ai demandé 1000 fois pour qu'à la fin, il me dise je comprends, je te dirai de jouer en mode non classé. Donc, c'est un boss parce qu'avec tous les défis que j'avais, franchement, j'aurais câblé. Donc, écoutez, on va lancer notre game et puis on est parti. Maintenant qu'on a tout ça, les gars, je peux lancer ma première game. Pour récapituler, je dois spawn entre Green Gate et Pleasant Piazza, utiliser des armes de rareté épique uniquement, et surtout le plus compliqué je pense, ne pas avoir de shield pendant toute la game. Et rajouter à ça que si je meurs, je devrais tourner la roue que je vous avais montré au début, qui me fera prendre un gros défi en plus. Donc le but c'est vraiment de faire top 1 première game. Bon bah écoutez, je lance, et puis on est parti. Ça y est les amis, on se retrouve en game, et du coup direction dans la petite forêt entre Green Gate et Pleasant Piazza du coup. Et franchement ça va être chaud parce que j'aurais même pas le droit de me shield. Je dois jouer qu'avec des armes épiques, c'est chaud les gars, c'est chaud. Bon allez c'est parti, du coup je pense qu'on va aller ici. Mais du coup les gars, je viens de penser, faut vraiment que j'ai de la chance, parce que déjà que j'ai pas de shield, enfin si j'ai pas d'armes épiques là c'est la sauce hein. Du coup les bidons je les prends pas. Ah ça rend ouf ça les gars, je vous jure ça rend ouf. Ça c'est épique, je peux prendre, au moins s'il y a des mecs je me barre. Mais du coup je peux prendre aucune arme et j'ai même pas de vie. Regardez, je peux rien prendre. Ah c'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. Bon on va fort m'écouter hein. Surtout que les gars, je vous rappelle que si je fais pas top 1 pendant ma première game, il y a une roulette qui m'attend avec plein de défis. Donc faut vraiment que je fasse top 1 les gars, parce que sinon c'est la sauce. Regardez, arme bleue je peux pas. ChatGPT, pourquoi tu m'as fait ça gros? Bon bah go Green Gate. Ah non, il m'avait dit qu'il fallait que je me loot dans la ville. Attendez, faut que je continue de loot ici jusqu'à trouver une arme épique. Ça va être un peu chaud. Non mais voilà, on marche tout nu, sans shield, c'est cool. Allez, arme épique s'il te plaît. Non, les gars, c'est trop hard. Je peux rien faire gros. Mais en fait ce chien de ChatGPT m'a donné les pires défis hein. Oh, y a un mec. Non. Vous pensez que je peux le pioche ou pas? Je suis en MM en soi. Oh, il pêche.
Ok, il a pas laissé du stuff ou quoi? On va farm, hein, écoutez. Actuellement, SDF dans le lobby de Fortnite, non mais c'est cool. Voilà, je marche tout nu, sans shield, sans armes. En plus, il m'a donné le pire spawn, gros. Il y a même pas de coffre, il m'a menti. C'est un menteur, ChatGPT, en fait. Allez, les gars, je crois que je vais aller utiliser une répu, faut que je me loot, là. Ok, bah, je peux pas me heal. Allez, s'te plaît, s'te plaît. Ah, vas-y, 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 vas-y. C'est quoi cette vidéo, les gars? C'est la première fois que c'est une vidéo aussi calme. Y'a pas de fight, je suis là, je passe mon temps à me loot. Non, mais ça y est, frère. Je vais reclaquer une répu, hein. S'te plaît. Bon. Mais c'est impossible! J'ai ouvert au moins 5-6 coffres, gros. Allez, on prie, les gars, on prie. Fichier. Bon. Ça y est, c'est trop pour moi. On est top 35, j'ai toujours pas d'armes. Je sais pas comment je suis vivant, c'est une dinguerie. Pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait? Je sais pas, j'aurais pu faire un truc, ouais vas-y, on fait top en ranked, tu vois. Non, fallait que je trouve cette idée les gars, c'est du Weside. Top 1 à la pioche ou... Non mais dites-moi hein, carrément, on se fait un autre défi si vous voulez. Hein. Allez, s'il te plaît, je t'en supplie. Non, j'en ai marre les gars. Non mais, je suis sûr que vous rigolez sur la vidéo. Eh, je vous invite à faire le même défi, vous allez voir. Non mais parce que c'est bien beau de regarder une vidéo d'un mec qui souffre là actuellement. Oui, je souffre. Bah, faites pareil, je vous jure ça vous tend. Ok. Oh, y'a un mec. Eh, je peux le tuer à la voiture en soi. Il m'a pas dit. Attends, y'a quand même un coffre avant. Les gars, je crois qu'on va faire notre premier kill à la voiture. Oh, j'ai eu trop peur, j'ai vu un truc violet, les gars. Il y avait un mec. On va faire le kill à la voiture et je prends son stuff. Sauf qu'il est plus là. Problème. Bon, je sais pas quoi faire. Oh, mais je sais, les gars. Je crois qu'à la fermeture de cette zone, il y a un bunker qui s'ouvre ici. Et normalement, dedans, t'as tout le temps des coffres légers et tout. Ça veut dire que je pourrais avoir une arme épique. C'est parti. Bon, par contre, j'aurais pas de shield, mais j'aurais des armes, quoi. Attendez, il est où le coffre? Il est où le bunker, là? Ah, il est là-bas, je crois. Attendez. On va y aller. Le bunker au fond, oui, mon sauveur. Ok les gars, c'est bon, il y a le bunker. Vous entendez les coffres légers en dessous? On va camper, je vais box le truc. Voilà, c'est ça qui va me sauver en fait. Et normalement dans 17 secondes, le bunker va s'ouvrir. Si mes calculs sont bons, donc j'espère. Non, il y a un médaillon qui arrive. Non, pitié. Il s'ouvre, oui, enfin. Je vais pouvoir jouer, merci Fortnite. Allez, allez, ça y est, ça y est. Allez, ouvre-toi, ça y est, j'ai pas le temps là. Ça s'ouvre. Eh, si j'ai pas d'armée pique par contre, hein, je rage quitte la vidéo. Non. Non! Non! S'il te plaît! Non! Pitié! Oui! J'ai un pont! J'ai un pont poteau, les gars! C'est déjà ça! Mais attends, mais dans tout ça, j'ai eu qu'un pont poteau! Je peux même pas me shield et tout! Non, c'est une dinguerie, je vous jure, c'est une dinguerie! Eh, le jeu, il m'aime pas, les gars! On va aller, c'est parti, hein! Parce qu'en plus, les gars, que j'ai 100 HP, je dois jouer au corps à corps parce que j'ai qu'un pont poteau! Non, mais elle est cool, cette vidéo, les gars, elle est cool! Eh, je prie pour faire top 1 première game, hein! Là, si je meurs, mais c'est la fin! C'est-à-dire qu'en plus, je vais devoir me taper un autre défi en plus! Genre, jouer avec 60 FP, j'avais marqué ça! Je suis fou, quoi! Là, en fait, je pense, faut que j'arrive à trouver un petit bot, que je le tue rapidement et que je prie pour qu'il ait d'autres armes épiques. Parce que là, on arrive fin de game, on est top 16. Et je pense que la plupart, ils ont un bon stuff. Donc, je pense qu'on va faire ça, les gars. Ah, mais il y a les médaillons, il y a les gants et tout, frère. C'est quoi ce truc de dégénéré? J'avais oublié la saison. En vrai, je vais pas trop gaspiller mes répus. Parce que je pense que c'est le seul truc qui peut me sauver. Surtout que là, je me dis, je peux marcher dans la nature comme ça. Un mec, il me voit, il me laser en 2 secondes, je suis mort. J'ai même pas le temps de bouger. Donc, faut que je sois vraiment. Faut que je sois attentif, tu vois. Dites-moi en commentaire, les gars, si ce genre de vidéo, ça vous plaît. Comme je vous dis, j'essaye de faire un peu des trucs différents. On est souvent sur de la ranked en ce moment. Je crois que c'est le deuxième défi de la chaîne. Donc dites-moi si les vidéos défi un peu chill comme ça, ça vous plaît. Bon, chill pour voir garder, hein, parce que moi, c'est vraiment pas chill. Mais dites-moi si ça vous plaît, tout ça. Puis si vous avez d'autres concepts à me dire aussi, les commentaires, les gars, c'est fait pour ça. Je regarde tout en plus, donc... Oh, ça se fight. Les gars, ça se fight. Il est là. Non, mais attends. Donc là, je vais devoir tourner la roulette, là. Premier fight, je me fais arracher, gros. C'est quoi ça? Oh, je vais péter un câble. Bon, allez, les gars, c'est parti, on tourne la roue. Pitié, pas un truc de ouf, je vous en supplie. Pitié. Ok, ça tombe sur quoi? Jouer avec 60 FPS. Donc là, tout à l'heure, j'étais en train de dire pitié que je tombe pas sur ce défi. Là, je vais devoir faire tous les défis de ChatGPT avec 60 FPS. C'est une vanne, là. C'est une putain de vanne, s'il vous plaît. Bon, bah, écoutez, c'est parti, paramètres. Allez, FPS à... 60, hop là, on met prêt. Et puis on va refaire la même chose, mais avec 60 FPS, les gars. Let's go! Merci, allez! Bon, allez, les gars, c'est parti, deuxième game. Et cette fois, je suis en 60 FPS, c'est marqué en haut à droite. Voilà, comme ça, vous pouvez voir que je triche pas. Et du coup, on est reparti pour la même game. Donc, on va retourner au même spawn, rejouer avec les armes épiques et pas avoir de shield. Mais là, cette fois, les gars, vas-y, c'est une dinguerie. Déjà, là, je ressens les 60 FPS. Cette fois, je vais camper. Ça y est,
ça va être impossible sinon. À part si au début j'ai un peu de chance et j'ai une arme épique, tu vois. Mais bon, crois pas qu'ils veulent Fortnite, hein. On va essayer quand même, mais bon. De toute façon, les gars, au pire des cas, j'ai une technique. Si j'ai pas d'arme, je vais prendre une voiture. Voilà, c'est la saison. Vous allez pas me dire je sais pas quoi. C'est la saison, les gars. Je vais prendre une voiture et je vais faire mes kills comme ça. Imaginons que je prenne une voiture, les gars. Je fais un kill sur un mec qui a une arme épique. Je la prends, tu vois. Par contre, les 60 FPS, what the fuck, hein. C'est chelou. Force au joueur play. Non, mais c'est le même rituel tout le temps. J'ai pas d'arme épique, ça y est, frère. Pitié. Je vais aller chercher une voiture, c'est bon. Je vais écraser tout le monde. Dans le pire des cas, il y a aussi le bunker ici, les gars, comme tout à l'heure. Donc alors, une voiture, parfait. Encore des répus. Ah, il y en a des répus, hein. Mais voilà, des armes épiques, il y en a pas. Non, mais voilà, c'est cool. Bon, bah, c'est parti, les gars. Ça va écraser des gens. Voilà ma vie sur Fortnite. Je vais quand même essayer de me loot. Il y a peut-être des coffres ou quoi. Bah ouais, mais il y a des coffres, mais il y a pas d'armes, quoi. Oh, ça tire. Est-ce que je vais ramasser? Oh, je crois que je vais tenter de ramasser, les gars. Bah, je sais pas où ils sont. Et bah, je me taille. Voilà. Il y a moyen que c'est pas loot, hein. Allez, s'il te plaît. Mais il y a que des répus, il y a que ça. Je vais loot tout le bâtiment. Voilà, c'était sûr, en fait. Bah oui, bah oui, bah oui. Oh, il y a un mec. Tiens! Il a pas de stuff, je vais câbler. Oh les gars, pitié! Il y a du shield devant moi, je peux pas me heal. Bon, on a un kill déjà, les gars. C'est déjà ça, c'est déjà ça. En plus, j'avais 60 FPS, ça fait vraiment bizarre. Oh, il y a un mec! Il est mort! Il y a des trucs épiques! Oui! Les gants! Parfait! Maintenant, il manque un pompe épique et c'est bon. Du coup, j'ai une PM épique, des gants épiques et des répus épiques. Donc, j'ai une arme et deux trucs de rota. En vrai, il manque un petit pompe et c'est bon, hein. Oh mon dieu, si je serais mort à cause de l'explosion, hein. Oh là là, j'aurais câblé. Ok les gars, on va aller Resto Raid. À Resto Raid, il y a des drones et ça donne souvent des trucs épiques. Voilà, ça a donné un gant. Bon, j'en ai déjà un. S'il reste des drones, on les prend tous. Bah, il n'y a plus de drones, comme par hasard. Non mais au calme, il n'y a pas un kit histoire que je me remette full ou quoi? What? C'est quoi ce machin? Dégâts 39, chargeur 1 million, mais wesh. Bah les gars, c'est une arme épique, hein, moi je prends. Ok les gars, il y a un bunker qui s'est ouvert juste là. On va y aller, comme ça j'aurai une arme en plus en épique, si j'ai de la chance. En fait là, on théoriecraft un peu le bail, tu vois. J'ai compris comment jouer. Surtout que même dans mes fights là, même si j'ai une arme, ça va être compliqué maintenant parce que je joue en 60 FPS, donc bon. On est arrivé. Déjà, il y a des répus. Allez, on prie les gars. Voilà, cette fois on a de la chance. C'était juste la première game en fait, on n'avait pas de chance. Voilà. Oh là là, attendez. Ok, maintenant. Mais incroyable. C'est parfait les gars. What? Mais viens d'où? Changement de voiture. C'est pas le moment de mourir, on est top 11 les gars. Ça y est, là j'ai tout ce qu'il me faut. Oh attends, ça tire. Je vais tirer de loin je crois. Bah je sais pas où il est, tant pis. Non. Regardez devant. Les gars, si j'arrive à voler sa voiture au mec, je suis refait. Bah, je sais pas où il est parti non plus. Top 10, les gars. Allez, c'est notre game. Je veux pas mourir. Je vais essayer de rentrer, les gars. C'est impossible. En fait, si j'ai sa voiture, j'ai win. Le malade mental. J'ai cru j'étais mort là. C'est impossible sans shield. Ah c'est impossible 60 FPS. Ok les gars, il y a un médaillon devant je crois, il se fight. Il y a la voiture cheatée. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais la voler. Non. Non. Yes. Il avait quoi, lui? Il avait rien en épique. C'est un malade. Oh, les détraqués. J'ai quand même essayé de faire le mec vaillant et de le rush. Non, quoique, en vrai, flemme. Flemme, flemme, les gars. J'ai pas de shield, j'avais oublié ça. Et j'ai 60 FPS surtout. Et par contre, en fight, je les ai ressentis, les 60 FPS. Hein. J'ai envie de retourner sur lui quand même.
de le rejouer de loin pour essayer de lui voler sa voiture. On est top 4. J'ai que 2 kills, mais on s'en fout. C'est possible. Regardez-le là-bas. Il veut pas lâcher la voiture. Si j'arrive à lui voler, hein, je fais la même. Non. Il est de retour. Lâche-moi. Non. Brain. Arraché. Cheaton. Non. Tout sauf ça. Pitié. C'est un malade. Je me taille d'ici en fait. Allez, on reprend une voiture. Mais ils sont deux. What the fuck. Ils sont deux dans la voiture. Mais les gars, je suis en top 3. Les deux derniers sont là. Il n'y a plus de voiture. C'est le plus gros toxique. C'est lui qui joue aux voitures, dites-vous, hein. J'ai fait top 1. Mais what? J'avais 0 de maths. Oh mon dieu. Ça y est les gars, je m'arrête là. On a réussi le défi. Let's fucking go. Oh, je suis trop content. Eh, vous avez vu le dernier joueur toxique là? Il était dans sa voiture pendant toute la game. Et quand il sort, que il spam aux explosifs de loin. Ça y est lui. Voilà, top 2 pour toi mon gars. Bon les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi franchement, elle m'a pas trop plu en vrai en termes de gameplay. J'ai bien galéré, j'étais en sueur. Mais heureusement j'ai fait top 1. Là je suis trop content. Je vous dis à la prochaine. C'était Wicide. Ciao tout le monde.